Janvier, non, mange pas. Au revoir. J'attends janvier encore. Je suis trop chargé de travail jusqu'à janvier. Oh, ouais, pauvre moi. William Cake, et j'ai 24 ans et donc j'habite sur la commune de Clédin-Pauvert. On est à Gouarac ici du coup, en centre-Bretagne. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 19 ans et j'habite à Pluvigné dans le Morbihan. 25 mètres pareil avec la plante et jambes de bras. T'as fini les bâtons ou pas? T'as fait les bâtons en contraire et dorsale aussi? Ouais. Moi je suis né donc, dans le Morbihan, donc à Vannes, et je vis là-bas depuis que je suis tout petit, bah, pas à Vannes même, mais à Pluvigné. Et j'ai grandi là-bas, j'ai été à l'école à Vannes, et après je suis arrivé ici à Rostrenin au lycée, et là maintenant je suis en prépa à Gouarec. Du coup, moi je suis d'origine anglaise à la base, et on est venu en France en 2003 avec mes parents à Clédin. Donc ça fait 14 ans que je vis à Clédin. À la base, le projet de l'association, c'était pour mettre en place pour les jeunes justement dans le territoire une possibilité de travailler. Parce que moi, quand j'ai passé mon diplôme en 2012, je faisais Clédin Quimper 3 fois par semaine pour passer l'épreuve, pour passer le BNSSA. Et ici en 2014, il y a eu l'extension de la piscine de Carré, il y a eu la piscine de Gouarec qui a été construite, piscine de Farouette qui a été construite aussi, agrandie. Donc il y avait une énorme demande de BNSSA. Les jeunes du coup étaient intéressés par le sauvetage mais ne connaissaient pas. Du coup, moi, son parcours, ça a commencé le sauvetage quand j'étais petit. J'ai sauvé mon petit frère. Donc, lui s'était noyé dans la piscine. Et moi, j'ai fait le geste le plus important que tout le monde peut faire, la prévention. Donc j'ai prévenu mes parents qui ont plongé, qui l'ont sorti de l'eau et qui l'ont réanimé, ils l'ont sauvé. Et ça m'a donné goût justement à la natation, le monde aquatique. Pour tout ce qui est sauvetage, c'est venu plus tard, donc arrivé au lycée, j'ai passé mon BNSSA avec l'SNSM. Donc j'ai fait mon BNSSA en 2012. Après, j'ai passé mon diplôme de maître nageur en 2014. J'ai passé mes diplômes de sauveteur international en 2013-2014. Et en 2015, j'ai monté l'association. Là, actuellement, je suis en prépa concours sociaux afin de préparer les concours d'éducateur spécialisé, d'éducateur jeunes enfants, éducateur technique spécialisé, enfin tout ce qui est dans le domaine du social. En fait. Je suis déjà sapeur-pompier volontaire et donc passer le BNSSA, ça me permettait de mettre une spécialité en plus chez les sapeurs-pompiers parce que dans le Morbihan, c'est les sapeurs-pompiers qui surveillent les plages. En plus de ça, ça me permet de trouver un job hyper cool pour les étés, par exemple être surveillant de baignade en colo ou même surveillant sur les plages. Ça me permet aussi de pouvoir passer, là cette année, mon diplôme de sauveteur international. Et éventuellement prendre un an pour partir bosser sur les plages en Australie, pourquoi pas. Pour le BNSSA, pour les sauveteurs locaux, un peu une quarantaine. Donc on forme sur Carré, Gouarec, Farouette et on a une petite antenne sur Saint-Brieuc. Donc on forme des étudiants aussi. Un peu une quarantaine de jeunes qu'on forme en sauvetage pour devenir nageur sauveteur. Après on forme pour être nageur sauveteur à l'international, donc pour les jeunes qui souhaitent partir bosser à l'étranger, on forme après 80 sur l'année. Et après en secourisme, on forme pas mal de jeunes, des adultes, des jeunes, des enfants. L'ensemble de tous nos jeunes qu'on forme, c'est à peu près 200 par an. On essaie de mettre en place un moyen de transport pour aller les chercher, pour les emmener en formation, les ramener, soit covoiturage avec des parents ou des bénévoles qui ont une voiture. On met en place un minibus aussi donc pour essayer d'emmener les jeunes pour que tout le monde puisse avoir accès. Là, on a un mot d'ordre avec William qu'on se rappelle, c'est happy, donc qui veut dire joyeux en anglais. Et voilà, c'est ce qu'on essaie d'instaurer aux jeunes aussi, c'est qu'il faut quand même rester le plus souvent dans le positif et pas rester sur les choses négatives. C'est ça qu'on essaie d'instaurer aux jeunes chez Crest-Bresse.